بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Chers amis, salam alaikum, bonjour, azul. L'objectif de cette vidéo est de démontrer qu'un essai de compression simple sur une épreuve cylindrique comme celle-ci ou en compression comme celle-là, la répartition de la contrainte axiale sigma égale F sur S, sa répartition le long de l'éprouvette donnée par le modèle classique constante ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne vérifie pas les conditions aux limites. Justement, pour satisfaire les conditions aux limites, la contrainte axiale ou bien l'éprouvette doit avoir à ses deux extrémités, ici et là, cette extrémité-là, deux contraintes de même valeur, F sur S, mais de signes opposés. J'ai par exemple en haut plus F sur S et en bas moins F sur S. Ça dépend de l'orientation de votre axe et ça dépend aussi de la sollicitation, traction ou compression. Vous voyez s'afficher sur votre écran, on essaie de compression, plusieurs répartitions. La première répartition constante à rejeter, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne vérifie pas les conditions limites. Et vous avez encore trois autres. Ces trois, elles vérifient donc les conditions aux limites. On les garde. Je m'explique. Nous avons ici une éprouvette cylindrique soumise à une sollicitation de traction. Donc, au point A, donc nous avons ici, au point A, ça s'applique une force moins F. Au point B, nous avons une force plus F. Comme vous le savez très bien, dans un repère X1, X2, X3, le tenseur de contrainte qui règne au sein de ce spécimen est donné par cette formule que vous connaissez très bien. La modélisation classique pour ce type de problème, traction simple, ou bien compression simple sur une éprouvette cylindrique, réduit ce tenseur à sigma ig égale F sur S 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et voilà. Donc nous avons que sigma 11 égale à F sur S et le reste égale à 0. La variation, toujours selon le modèle classique ou bien la modélisation classique pour ce type de problème, la variation de la contrainte axiale ou longitudinale, ou donc sigma 11 axiale ou longitudinale, sa variation suivant la direction x1 entre le point A et B est donnée par sigma, voilà, constante sigma égale F sur S. Mais personnellement, j'ai un problème avec cette répartition. Pourquoi? Parce que j'ai au point B, là, s'applique une force plus F. Donc, la contrainte sigma, là, sigma 2B, point B, égale à plus F sur S. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, voilà sa valeur, ici. Et j'ai au point A, s'applique une force, moins F, donc sigma A, sigma 2A, égale à moins F, contrainte axiale, ou longitudinale, ou sigma 11, moins, donc au point A, c'est moins F sur S. Et voilà sa valeur. Donc, la courbe représentative de la variation de la contrainte axiale entre le point A et le point B n'est que la courbe qui passe de ce point à ce point, c'est-à-dire de moins F sur S jusqu'à plus F sur S. Forcément, ça va s'annuler entre le point A et B. Comme le problème est axisymétrique, donc de symétrie, donc l'axe de symétrie situé à X1 égale A plus B divisé par 2, donc voilà la contrainte axiale s'annule en ce point. Et voilà, j'ai une répartition qui vérifie les conditions limites. C'est cette répartition-là. Hop. Voilà ici, positif, et là,
négatif. Pour résumer, voilà ce qu'il y a. En traction ou bien en compression, et suivant aussi, donc, comme je vous disais, l'orientation de l'axe et l'orientation d'une force. Dans mon cas, j'ai ça. J'ai donc ces conditions-là. J'ai sigma au point A, contrainte axiale au point A, égale à moins F sur S. J'ai sigma au point B, donc là, égale à plus F sur S. Et pour, ou bien comme conséquence de la symétrie de ce problème, sigma du milieu de l'épreuve ouverte égale à zéro. C'est ce que j'ai appelé ce principe-là, principe de Telesa. Je vais le noter ici. Telesa. En fait, ça c'est une simple appellation. Vous pouvez garder cette appellation comme vous pouvez la rejeter. Vous êtes libre. Certainement, je suis convaincu que vous me posez la question pertinente pour me dire, cher monsieur, comment se fait-il? Nous avons démarré le problème avec une éprouvette en pure traction et finalement, on se retrouve avec une éprouvette moitié contrainte positive, c'est-à-dire traction, et l'autre moitié contrainte négative, c'est-à-dire compression. La réponse est non. La réponse est que nous avons ici, dans cette partie-là, la contrainte positive. Nous sommes en traction et nous avons ici contrainte négative. Et nous sommes toujours en traction. Pourquoi? Parce que, regardez ici, s'il vous plaît. Donc, pour pouvoir appliquer la traction à cette éprouvette, nous avons inversé les forces extérieures. Et bien, le matériau est intelligent. Lui aussi, à l'intérieur, est l'inverse, le signe de la contrainte, pour pouvoir rester en équilibre. Donc, nous avons ici, donc, ça c'est le milieu. Là, donc, la direction de la contrainte à l'intérieur, la contrainte axiale, elle est dans ce sens. Et là, elle est dans ce sens. Là, nous avons une valeur de sigma de B égale à plus F sur S. Et là, nous avons une contrainte au point A de sigma égale à moins F sur S. Donc, la valeur ici de la contrainte diminue jusqu'au là, au milieu, s'annule. Elle change de signe, elle s'inverse. Et ensuite, elle augmente en valeur absolue. Doucement, ça augmente. Jusqu'ici, moins F sur S. Aussi, vous pouvez me poser la question pour me dire pourquoi tout ça, pour ce travail, pourquoi faire compliquer un problème qui est de nature simple. C'est-à-dire pourquoi ne pas travailler en contrainte en problème uniaxial. C'est-à-dire, je mets l'hypothèse que voilà, je détecte mon problème unidirectionnellement, juste suivant la direction X1. Il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, je ne suis pas contre, mais à condition. Dans cette direction, vous avez trois contraintes. Vous avez sigma 11. Vous avez sigma 21 et vous avez sigma 31 qui agissent suivant l'axe X1. Si vous arrivez donc à trouver donc sigma 11 qui vérifie les conditions limites, ça donne ça, et vous avez donc sigma 21 et sigma 31, pas forcément nul. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Maintenant, je passe aux conséquences et à l'impact de cette répartition variable de la contrainte axiale sur certains problèmes de génie civil, de mécanique des sols, etc. Je vais m'attarder sur deux problèmes. Le premier problème, c'est la résistance. Résistance, béton, compression. C'est-à-dire, donc, la résistance du béton à la compression est définie comme la contrainte axiale qui écrase l'éprouvette en essai de compression. C'est-à-dire, nous avons ici, donc, une éprouvette cylindrique, voilà, en béton, et on écrase donc la contrainte
axiale de compression, sigma. Là, c'est la résistance débutant la compression. Donc, à la rupture, on constate, ou bien la forme de rupture nous donne, de l'éprouvette de Buton, nous donne deux cônes, voilà, opposés par le sommet, où le matériau, le béton, est bien préservé. Les dommages, c'est à l'extérieur de ces deux cônes-là. On distingue facilement donc deux zones, une zone centrale, voilà, où les dommages sont les plus importants. Là. Et nous avons une zone, c'est la zone des extrémités, au moins en bas, là où l'éprouvette, elle est moins endommagée, voire intacte. Si on superpose la variation de la contrainte axiale avec la hauteur de l'éprouvette, voilà ce qu'on a. Donc, nous avons ici donc un sigma axial en fonction, si vous voulez, donc je vais mettre ici l'axe X1. Voilà, j'ai cette répartition-là. Voilà. Pardon. J'ai donc dans la zone centrale, ici, en cette zone centrale, où il y a donc le gros dommage, la contrainte axiale sigma est faible ou nulle. La partie préservée de l'éprouvette, les extrémités, la contrainte axiale sigma est forte. Là et là. La conclusion, c'est que ce n'est pas la contrainte axiale qui casse l'éprouvette de béton. Au contraire, son action, ou bien l'action de la contrainte axiale, intervient pour préserver. Regardez, là où elle est forte, le matériau est préservé. Là où elle est faible, le matériau est cassé. Donc ce n'est pas elle qui casse, c'est autre chose. Je passe maintenant à l'essai préaxial. L'essai préaxial, il s'agit donc d'un échantillon de sol de forme cylindrique. Voilà. Donc, je vais mettre un axe Z comme ça. Allez, je passe ça. Donc, j'ai un axe Z. Donc, j'ai une contrainte verticale. Je l'appelle sigma Z. Comme ça. Et j'ai donc, radialement, dans le sens radial, sigma R. Horizontal et de confinement. La modélisation classique de l'essai préaxial nous donne le tenseur, ce tenseur-là, sigma. Donc en fait, sigma IG égale à sigma R 0, 0, 0, sigma R 0, 0, 0, sigma Z. Je vais superposer, je n'ai pas bien fait là, parce que là je vais superposer en fait. Donc, je vais superposer la variation toujours de la contrainte, la variation de la contrainte, donc sigma de Z axial, j'ai ça. Voilà. Et donc, le tenseur, donc sigma IG pour le tenseur donné par la modélisation classique, c'est sigma R 0, 0, 0, sigma R 0 et 0, 0, sigma Z. Donc là, on remarque que ce tenseur-là n'est valable que sur cette surface et aussi la surface inférieure. Donc là, il n'est bon que ici et là. À l'intérieur ici, nous avons sigma z qui est variable. Je prends par exemple le milieu ici. Le milieu, j'ai un sigma z égal à 0. Donc ce tenseur n'est pas valable. Et si je prends deux points quelconques, un point N ici, et un autre point N quelque part là, j'ai la contrainte sigma Z qui est variable. J'ai sigma Z au point N, ou bien au point M,
est différent de sigma z au point n. Donc voilà, donc le tenseur là n'est pas constant à l'intérieur. Et je vous laisse vous-même, donc on dit les conséquences de cette situation. Ainsi, mon exposé est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne, Inch'Allah, très prochainement, un rendez-vous pour traiter donc, ce problème en trois dimensions. D'ici là, portez-vous bien. Regardez, s'il vous plaît, en bas, dans le descriptif, vous avez un lien. Essayez donc de cliquer dessus pour trouver une démonstration de tout ça. Je vous dis au revoir. Salam alaikum. Walhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.